Donc, Chéri Abdallah, c'est un oligarque corrompu. Il est rentré à Haïti, sorti en Égypte, il est rentré dans la famille, il a trompé Dimitri Léger, Gilbert Léger était en train de mourir lui-même, et puis il volait l'entreprise Léger qui était en compagnie d'assurance. Donc, c'est des gens de mercenaires, étrangers, qui sont rentrés dans la famille. Moun nou pa etan pou moun, depi moun sa se diap yo, sa agaman, se tout ba yo pren tout form. Et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'opin gade vidéo ça, et j'ai comme tout dit, c'est toujours un plaisir pour moi, pour me parler ensemble avec vous, tout ça qui a fait actualité dans le pays d'Haïti. Pour ne pas rater aucun dans la vidéo, c'est profiter d'abonner, kounya la même sous votre couvert ça, et pas oublier d'activer 5 cloches notification pour capable recevoir les notifications de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne là. Déjà, nous disons merci à tout le monde qui est déjà abonné, merci avec vous même qui peut faire ça, kounya la même, parce que nous sommes intelligents, ou pas oublier perdre la prochaine vidéo. Nous. Sans parler en pile, sans perdre du temps, on entre dans le détail pour la vidéo aujourd'hui. Est-ce qu'on songe le Chérif Abdallah t'a coupé raché sous Jovenel? C'est Chérif qui a un contrat à gaz là. Il a un livre de 75 millions de dollars de gaz pour alimenter le pays. Malgré ça, gaz a toujours en retard. Il a toujours une crise, un gallon jaune dans toute pompe. Chérif Abdallah a un contrat à hélicoptère. Donc c'est dans l'hélicoptère, Chérif Abdallah, que Jovenel Moïse monte, descend. T'es qu'on les pays loc, Jovenel a dormi, quand Chérif Abdallah même. Donc, question posée, quelle relation Chérif Abdallah gagne à Jovenel Moïse? Est-ce que c'est une relation de fournisseur à client? Ou bien une relation blanchiment d'argent? Une relation, je charge au plus comme pour location hélicoptère? Parce que l'on a des prix, facture, location hélicoptère, l'État ici est en a possédé plus que 10 hélicoptères de meilleure qualité que par Chérif Abdallah. Donc, et c'est même hélicoptère ça que tu as cherché Jovenel. Fonds parisien, on te dit, Négio, vous regardez dans l'hélice d'EA. Finalement, vous prenez M. Benabel sous bord dominicain. Donc, Chérif Abdallah, c'est un oligarque corrompu. Il est rentré à Haïti, sorti en Égypte, là, le filet. Petite Sabrina Léger, comme nous Sabrina Léger, nous étions à l'école lycée français ensemble. Mais il était contre le tennis, c'est une belle vie sous le boudon. Là, on regarde Sabrina, Sabrina son belle marabout, belle grande femme devant l'éternel, mais elle est gaucher, même pas de compte ça. Là, on a joué tennis, il dit qu'on a une femme folle dans le coudoir, alors coudoir, et le revers. Alors le revers, c'est le ramasser balle là. De la droite, de la gauche. Et puis, regardez, mademoiselle, c'est ça seulement la fait. Et puis, lorsqu'on est le boucher, on ne sait pas, réveil de la baille, c'est coup d'oeil d'en fait. Donc, il est rentré dans la famille, il a trompé Dimitri Léger, Gilbert Léger était en mourir lui-même, et puis, il volait l'entreprise Léger qui était en compagnie d'assurance. Donc, c'est des gens de mercenaires, ça, étrangers, qui est rentré dans la famille. Moun ne pas être pour moun, et puis moun sa, c'est diable, il sa agaman, c'est tout bayo, prend toute forme. Comment est-ce que vous avez ici encore? Comment encore? Local là, iguana. Donc nous même nous disons agaman, mais c'est iguana, il a changé de forme, il a mis masse, il a changé de couleur, ok, puis il a rentré, il a rentré dans vie. Famille sa yo, donc monsieur volé compagnie assurance là, monsieur concile honoré tout, pour le cas gagne immunité. Et puis, donc Chérif Abdallah c'est Youn. Maintenant, Gilbert Bidjo. Gilbert Bidjo, tout le monde connaît que dans l'époque la Médaïti, dans le combat contre Ratio, Nicaragua, et il a quitté drogue entré en Haïti, Alvan aux États-Unis, Cop drogue ça lui-même. Tourner à Haïti, la joindre Gilbert Bidjo, pour Gilbert Bidjo commander Rouzi, lui envoyer par contrat Nicaragua. Maintenant, ça passe. Tonton Paul, alors général Franck Paul, commandant Franck Paul, ma connaît Tonton Paul, décide que la saisie de conteneur Rouzi, et puis un bon matin, contrat après l'amour, il manque les âmes, et puis ouais, toute la médaille avec mini Rouzi, gros Rouzi. Et puis, quand il y a un CIA envahi, Madame Paul, Madame Franck Paul, il faut Tonton Paul, un soupe jaune, et puis Tonton Paul mourit, parce que il
saisi deux conteneurs ouzi que Bidjo te vend pour que vous te voyez par Contras Nicaragua que vous mettez contre sans initio. Maintenant, dis-moi Bidjo pas on est petit, il n'en gaz tout. Même gens ouais, c'est capable d'en gaz. Monsieur c'est lui qui bail avion gaz. Dans les portes là, c'est gaz monsieur. Donc c'est kérosène non? Gaz blanc, ça nous concrète manger bail dans les réserves là que on rajouté un additif qui vient tourner gaz avion. Que on vend 17 prix, 17 hauteurs. Monsieur séparé de Texaco, de Chevron, il quitte Adinassa, donc lui-même l'occupe bail avion gaz. Ok, il quitte Populéa. Et puis, où est Gilbert Bidjo a prêté 250 millions de dollars dans le corps Petro-Caribéa pour faire le port Lafito. Est-ce que vous comprenez? Le premier, on va évaluer, expert va évaluer le port Lafito. Où est que Gilbert Bidjo n'a pas investi tous 250 millions de dollars dans le port Lafito? Expert va rapport comme quoi c'est 120 millions de dollars qu'investit dans le port Lafito. Et nous te connaissons, Matéli. Je te bloqué 20 produits sous frontière dominicaine. C'est sous Prévert qui touche 20 millions de dollars que vous avez 20 produits. Yo. Et comme ça, tu as un bac à banque Prévert qui entre la banque. Puisque c'est Jean-Max Belrive qui prend avion, hélicoptère, à chercher 20 millions de dollars à Saint-Domingue pour quitter produit ça et passer sous frontière. Mais c'est là, Bidjo, c'est fin, contrôlé par là. Donc, fait Bidjo à passer d'Haïti, tu es cabine natale directement. Donc, 250 millions de dollars, Wafla coûte 120, coûte 130 millions en passé. Je fais connaître que monsieur a acheté un paquet pour gaz Saint-Domingue, Chevron, qui sont en compagnie, mais sœur de Texaco. Et puis, monsieur a bien mené. Donc, monsieur fait faux en écriture, faux et usage de faux, il fait blanchiment, il fait un paquet de bagages qui condamnable même à la prison. Ok, pour Bidjo de ka prêter les haïtiens 250 millions. Pour qui ça, ça le prêter dans le Bédo Caribé. Est-ce que 130 millions, ce n'est pas la mode qui prend la donne pour justifier que si je ne cobre la rapide pour le faire pour là? Donc c'est une grosse question. Maintenant, en ce qui s'agit de Renault Dib, c'est une grosse question. Est-ce que les Jovenel te voyaient barbecue sur route aéroport? Al prend cob dans main Renault Dib, li pat balil, et puis demain matin ouais barbecue descend kay marché Titoni kay Kaizo kay quatre autres dépôts que Renault Dib gagne dans bouche Cité Soleil là, et puis nèg yo délapidé. Est-ce que Renault Dib pas payé déjà? Parce que depuis novembre 2019 Renault Dib quitté Jovenel de la compte. Je dis, ah, je viens son vagabond, je ne vais pas dire l'annexe ça. Tout ça, te disait menti. On ne sait pas bien, je viens de faire une démonstration de plan banane dans le Caribe. Songez à ça, monsieur. Je viens de faire comme quoi que, et, mais qui ça va le faire, on, et que, et comment, la richesse est une vertu. Waouh, on m'a montré ça, mais pas m'a montré ça. Voler son vertu, voler l'État, pas voler. Tout ça, c'est ça, monsieur, je viens de dire. Donc, Renault Dib rend ni compte que pas de sa pièce. Et c'est ainsi que Renault Dib, m'a dit pour qui ça. Vous mettez M. dans l'ista. Oui, il ta Jovenel. Comme l'enfant prodigue, ok, il est dans un mauvais chemin, il est retourné. Même Jean dans cette Bible, il te dit que c'est un grand nègre qui remet tout ça le possédé pour suivre Jésus dans 13 apôtres, dans 12 apôtres. Donc pour moi-même, à même titre que Reginald Boulos, Renault Dib, pas qu'on a dit ça. Bon, l'autre encore, oui, pas qu'on a dit ça. C'était Olivier Barreau. Parce que depuis mois novembre 2019, Nègre campé sous Jovenel. Parce que pas oublié, Olivier Barreau était supposé venir premier ministre Jovenel. Mais là, ouais, malversation, après tout bagage ça, Nègre râle corps sous Jovenel. Et il y a un longé doit être sous yo. 6, 7, 8, il y a un moyen Reginald Boulos fort. Il faut payer fréquence que le quitter Jovenel. On se dit du Jovenel, vous et caca, monsieur pas mener payer en quel côté, c'est dans le fait noir, c'est dans le grand ouest. Résultat,
Donc pour moi-même, n'est que oublié mettre dans l'ISA, c'est que vous mettez terminal vareux. Pourquoi terminal vareux? Et là, c'est grâce, bien vie, Michel François. Je connais le droit de l'embargo sur Haïti, sur l'embargo pétrolier. Dès que dégagé, il a cherché l'argent, il a fait construire des tankers pour stocker gaz pour le pays. Qui va mettre des tankers ça, terminal vareux. Alors, comme Aristide, je vends que les Meuse, à plusieurs reprises, ils ont demandé invasion sur Haïti. 1915, Meuse demandé. 2004 Aristide, 2000, quand Aristide tourné, 25 000 de tout qui n'ont. Ils ont demandé, ils ont fait aussi, hein. Si Fritz Meuse était dans l'avion, il a tourné avec Aristide. Le Aristide vend sous sol pays à Baby Grindon. Donc, il faut ça. Donc, les Meuse toujours involve dans demander invasion. Chose dit, chose faite. Je pense que Grégory Meuse, le gain 100 camions qui plein gaz, 10 000 gallons, tant que yo, faut Grégory a dit combien, qui bon camion ça yo pour livrer gaz là. Est-ce que vous comprenez? Il va me dire, et ouais, pour que toujours prendre camion gaz, tant que yo pas arrivé. Yo fait connaître que yo bon terrain, vide, que camion yo entré, Grégory assure que yo enlevé gaz là dans ton cœur, mettez le dans d'un blé yo, et puis qu'on y a un camion forad et belade yo, yo mettez 10 doum en bas, 10 doum, 20 doum de 50 gallons qui jambé fonti à chaque jour. Donc yo prend gaz là à 2,57 $, y a le vend à 5 $. Donc monsieur fait 200 000 gallons gaz chaque jour, qui fait que monsieur fait 500 000 dollars US sous frontière dans vend gaz, pendant que nous mêmes n'a pou menen pou pa galon jaune, nou pa ka jwenn gaz, n'a paye gaz $800, n'a paye $600. Gen gaz ki al vann Saint-Domingue. Et puis moun achete le Saint-Domingue bin nou vann na Haiti, oui. A $600, a $800, a $700, a $400. Et ça rive là, oui. Donc Grégory Meuse pou dan nan li sa. Ou lòt moun pou dan nan li sa. C'est beau sens. Beau sens. Pou sa nou konnen le fè. Unimank, Karl Brahm, pour moun sa yo, m'pense yo pour le prochain moun kap sou lista. Et fom dou que nan oligarque corrompu yo, gen moun sa yo pour le paret sou lista. Ou pour le gagner nan parlementaire yo, qui pour le paret, en pile là dedans yo, et pour gagner, par exemple, Willow Joseph, son nek qui dans prison, li candidat, li passe sénateur, li va me faire campagne, l'acheter. Placé dans lui, corrompu. Sans compter, on ne paquette l'autre. Dans le monde politicien, ou bien capable. Capable, il faut le paraître. Ok? Ou bien plusieurs autres qui peuvent le paraître. Donc, la liste est longue. Nous avons beaucoup de gens mettre Michel Martelly. Non, Michel Martelly a un petit problème technique. Ok? Monsieur a cherché son côté pour l'aller. Vous êtes parti sous tête dans Haïti. Après ça, il fait Thanksgiving avec Mouna Kali. Bill Clinton, l'équipe, ça a dit, monsieur, ah, c'est le 30, oui, pour Fonti échapper. Donc, monsieur a cherché Panama, il ne vient pas recevoir lui. Ou en Italie, tu es un gars costaud, oui. Donc, il faut me dire que le Canada a demandé tout l'autre pays dans ce groupe-là pour faire même bagaille que lui fait, bloquer les gens en haut, bloquer en bas. Et j'aime dire nous, que ton politicien, côté un parlementaire, un oligarque corrompu comme Grégory Meuse, météorite qui est le Bahia, a éradiqué sous terre d'Haïti. C'est Jean-Pierre Bahia qui t'a parlé avant là, 48-14, 92-20, WhatsApp, nous répondons tout appel, nous dormons, nous levons bonheur, ok, nous dormons tard. Donc, nous sommes là pour nous éclairer l'antenne, nous, parce que le temps des dinosaures, fini. Et là où elle fait pinois, c'est des salles pour elle faire jour pour que le pays a le délivrer. Merci. Et voilà, c'est là que nous commençons la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier abonner ensemble avec la chaîne là, c'est pour que vous fassiez ça. Et activer la cloche de notification pour capable recevoir les notifications de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne là. Et pas oublier la like vidéo, ça pour capable toujours recommander la vidéo. Merci, nous vous croisons dans la prochaine vidéo.
Ciao.